démarrer l'enregistrement pour YouTube ici. Ça va passer par ici. Est-ce qu'on passe? Oh non, t'es sérieux, il manque un bras d'espace. Il manque un bras. Hop. Non, pourquoi tu passes pas toi non plus? C'est pareil, je suis bête. C'est pareil. Donc on va passer là au pire. Trouver une solution. Ça part dans tous les sens pour revenir à bon point. Hop. Il y a mon chat qui est dehors et qui miaule à la fenêtre. Alors je vais aller l'ouvrir sur le coup. Alors je reviens. Voilà, mon chat qui pense que ma fenêtre c'est un passage secret pour aller vers l'extérieur. Ok, c'est bon, j'ai enfin tout qui arrive. D'ailleurs, par contre, les batteries ça arrive pas. En tout cas, pas très vite. Pas très très vite. Les batteries, pourquoi ça arrive pas? Parce que il manque des plaques de plomb. Ça m'étonne. Ça m'étonne pas mal. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de plaque de plomb? Attends. On a les barres de plastique qui arrivent. Mais les barres de plomb ont été coupées. Non, elles sont pas coupées en fait. Elles arrivent juste pas très vite. Ok. On a la production de barres de plomb qui est un peu fatiguée, on va dire. Hop, on va monter jusqu'en haut. Voir pourquoi ça se passe. Hop, ouais, c'est sûrement la même affaire que toujours pour ça. C'est sûrement le qui manque d'acide sulfurique ou quelque chose du genre. Voilà, alors, cela arrive d'ici. C'est parce que. Hop. Merci à The Legend pour le follow. Ça fait plaisir. Alors pourquoi est-ce que ça marche pas? Pourtant, ça prend quoi comme matériau? Ah, ça prend le minerai de plomb, c'est ça. Bon, allez, salut. Bonne fin de journée. Pourquoi est-ce que ça passe pas? Bon, c'est juste que c'est miné très lentement, faut croire. Honnêtement, ça a juste l'air d'être ça. C'est miné très lentement, donc ça passe pas très vite. Ce qui devrait pas être un souci à améliorer. Alors, foreuse MK2. Voilà, qui est normalement plus rapide que la MK1 si on suit la logique. Vitesse de minage deux fois plus rapide. Puissance de minage 50% plus rapide. Qu'est-ce que veulent dire ces chiffres? Je sais pas trop. Ok, et ça normalement. Voilà, ça arrive. Et on devrait être capable de produire un petit peu plus. Hop, je vais remplacer. Voilà. On voit quand même qu'elle tourne pas le plus vite. Plus de manière matériaux. Ah ah! T'as changé la recherche. Module. C'est logique. Si t'en as besoin pour faire. Pour commencer à débloquer les armures. Parce que là, du coup, c'est le timing, c'était super lent. Ça m'a beaucoup de recherche. De toute façon, c'est sauvegardé maintenant. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal bien. On peut changer sans souci. Ok, les hors-sorting facility maintenant qui sont plus assez rapides parce que c'est des niveaux 1. Alors, hors-sorting. Alors, je peux pas en faire parce qu'il manque de la pierre. Pierre et aluminium. Alors la pierre, c'est pas un souci. D'ailleurs, on est rendu à 178K de pierre. Ça monte encore. Et l'aluminium, où est-ce qu'on en produit?
tant pis, au pire je ferai des MK2. Ma petite base là-haut, hein, ça me... Ouais, je suis pas très proche en fait. Bon, j'irai une autre fois. C'est pas très grave. Hop. Son produit, je les vois pas. Ah. Hop. Hop. Voilà. Donc là, c'est juste un peu plus rapide. Ah, armure modulaire, ça va faire plaisir. C'est sûr pour la faire. Hop. Et en plus, ouais. Juste des sciences ultra de base sur le coup. Donc ça, ça va légèrement plus vite et tout a l'air de repartir. Donc, je vais assumer qu'on est plutôt bon pour ça pour l'instant. En fait, c'est juste les bras qui suivent pas. C'est vraiment juste les bras qui suivent pas. Ok, parfait. Parfait, parfait. Là, j'ai une tonne de pierres en trop. Clac. On est passé à 222K. Ici, ça continue à produire tranquillement. Et en bas, on va donc retourner. Normalement, les batteries, tout ça, ça devrait repartir un petit peu plus rapidement. On aura toujours des petits problèmes parce que c'est pas vrai que 4 fours vont suffire, mais bon. C'est pas la fin du monde. Hop. Voilà. C'est multicolore ton affaire. C'est l'arc-en-ciel. Nouvelle zone de recherche. Ouais. Ah oui, c'est vrai, en plus ça se fait non. Ok, je pensais que ça se faisait avec une autre nouvelle sorte de recherche, l'armure modulaire, mais même pas. Même pas, même pas. Hop, voilà. Donc, on va commencer ça, les batteries. Bon, ça se remplit pas très vite, mais ça devrait aller quand même. Donc. Les robots, enfin qu'on commence là-dessus. Alors, châssis de robot volant, il va falloir des aimants de moteur, des batteries, des plaques d'acier et des circuits électroniques. Ouais, c'est pas vraiment un souci. Je vais essayer de faire arriver les 4 ici à peu près. Voilà, d'ailleurs j'aimerais juste voir, est-ce que ça peut se faire dans les... Non, sûrement pas, ça peut sûrement pas se faire dans les petites usines. Machine d'assemblage très rapide, est-ce que je peux en faire d'autres? D'ailleurs on peut déjà commencer à faire les machines d'assemblage niveau 4. Moi je suis encore au 2. Voilà, la 3 est encore trop chère à cause des circuits avancés et des engrenages en acier. Ouais, t'as-tu autre chose ensuite que tu parles là-dessus? Armure de puissance. On ferait poste électrique. Ok. On n'a même pas débloqué ça. Hmm. Hop. Alors, plaque d'acier. Hop, hop. On va faire ça comme ça. Ensuite, j'ai besoin. Non, c'est pas là-dessus. Aimant de moteur, batterie, circuit électronique. Donc circuit électronique. D'ailleurs je manquais de production. Alors il faudrait plus de convoyeurs souterrains, plus de répartiteurs rapides. Voilà. Et ensuite on va pouvoir continuer ça tranquillement. Donc hop. Non, comme ça, ça. D'ailleurs, je vais peut-être juste le modifier légèrement, ça jusqu'ici. Hop. Ensuite,
après ça ici. On va enlever jusqu'ici. Hop. Ouais, ok. Ça, ça peut aller comme ça. Ça, ça va ici. Ça, ça va comme ça. Et le dernier. Bon, quoi qu'il va falloir le enlever là sur le coup. Le dernier. Donc, on va mettre ça ici. Ça ici. Hop, hop. Voilà. Cela passe en souterrain jusqu'ici. Cela passe en souterrain jusqu'ici. Et normalement, si j'en prends un petit peu à chaque, tout suit. C'est bon. Voilà. Cela passe, cela passe, cela passe, cela passe. Les 4 se ramassent ici. Donc, par contre, ils ne sont pas dans le bon sens. Voilà. Maintenant, les 3 y vont. Et normalement, voilà. On a donc tous nos matériaux qui arrivent ici. Donc ensuite, comment est-ce qu'on veut les mélanger pour faire les robots? Circuit électronique, je vais mettre peut-être plaque d'acier, circuit électronique puisqu'ils sont en haut déjà. Hop, 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 voilà, pareil de ce côté là Voilà, ok. Donc ça, ça arrive comme ça. Ensuite, il va me falloir une belle quantité d'usines. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Voilà, petite erreur. 5, 8, 9, 10. Hop. Pourquoi j'ai une batterie qui s'est ramassée ici? Bon. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Donc, comme ça, ça va permettre de faire un châssis aux 2 secondes par sorte de robot. Ce qui est pas le plus rapide, mais ça sera déjà ça. Puisque 20 usines, ça fait 1 par seconde. Voilà, pour diviser par 2, ça prend 2 secondes. C'est juste que bon, le reste de notre production, déjà, je pense pas qu'on pourra le faire à ce rythme-là. Donc, ça sert à rien de vraiment mettre plus sur le coup. Sinon, voilà, je vais me faire quelques bras supplémentaires aussi. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, le reste, bon, on fera pour le même rythme à peu près. Donc, celui-là, il va en falloir 3. 3 aussi. Et cela, ça va être 1, tout simplement, de chaque. Et ça sera suffisant. Donc, on va juste, voilà. 4 bras et 2 bras. Je vais juste les éloigner au max. Voilà. Comme ça, on pourra mettre les poteaux. Et ça sera pas mal. Et ceux-là aussi, on va les éloigner au max, je pense. Alors, réseau de distribution, c'est fait. Ouais, poste électrique, pourquoi pas. Je pense que tu es d'accord avec ça, Bartus. Ouais. Hop. Hop. Et ensuite, châssis de robot volant. Partout. Voilà, il y a d'un seul coup plus une seule ressource sur le tapis. Hop. Récupérer une case plus loin. Voilà, voilà, clac, clac. Cela aussi on peut le mettre, c'est parfait. Et voilà. Ok, donc là je pense d'ailleurs, ouais, il va y avoir un problème, un petit souci de batterie, ça arrive vraiment pas assez vite. Et le reste devra aller. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà, un petit répartiteur pour le séparer en deux ensuite. Hop.
Mais est-ce que tu peux les faire sur le coup tes modules ou il te manque encore des recherches? Alors, c'est bon. Ok. Voilà. Alors, voilà, il n'y a pas grand, pas grand châssis qui ressort. Ramasser quelques bois. Je sais pas pourquoi ils ont pas tous le bruitage pour une raison quelconque. Hop, voilà. Donc, les châssis sont bons. Ensuite, cerveau de robot de construction, plaque de circuit, composants électroniques, transistors, d'accord. Ouais, donc je vais devoir me prendre ça aussi un petit peu. Carbone, tant mieux qu'il y en a sur le côté. C'est assez pratique. Hop. Hop, où est-ce qu'on se fait attaquer? Ouais, normalement ça devrait tenir là-bas. Quoique. Non, ça passe. Ça passe, ça passe. Hop. Ok. Donc châssis c'est fait. Ensuite cerveau. Plaque de circuit électronique. Composants, c'est la même chose pour les deux. Donc ça c'est assez pratique au moins. Trois machines pour chaque. D'ailleurs il y a quoi? Bon, on va le mettre sur deux. Ah par contre il va falloir le faire, c'est vrai. Il va falloir le faire cela. Hop, on va faire quelques-uns. Donc. Est-ce qu'il faut que je fasse de la soudure d'ailleurs? La soudure que tu utilises pour faire les. Ok, ouais, c'est ça la soudure. Donc j'en aurais sûrement pas besoin de ça. À quoi peut-être pour les transistors? Non, même pas. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Transistors, composants électroniques, c'est assez simple. D'ailleurs, je sais jamais. Est-ce que les. Ouais, 5 ou 2 secondes. Le ratio Ah est oui, vrai. tu produis en masse le robot. Ouais. Ça va faire un robot de chaque ou 2 secondes. Ça Si va. c'était à fond. Voilà. Là, comme tu peux le voir, il manque un petit peu de batterie. Un petit peu. Le plomb, ça peine. Ouais, c'est ça. Le plomb, je suis allé changer, rajouter des foreuses en haut, mais il y a 4 4 petits fours seulement, donc sur le coup, ça passe pas. Dans tous les cas, ça passe pas. Mais j'étais en train de regarder les ratios pour les câbles de cuivre et tout ça. Et en fait, t'as vraiment pas besoin de le mettre à 1 pour 1. Hein. C'est à. En fait. Une seule machine de câbles de cuivre. D'aluminium et de cuivre suffirait à 6 6 composants à 6 résistances en fait. Donc t'as pas besoin de grand chose. Tiens, je vais faire ça d'ailleurs. On va partir ça ici. Ensuite, ouais, sur le coup, je vais aller ici. Tiens, à peu près. Ensuite, il va en falloir 6 comme ça. Un espace entre, voilà. Alors hop, là il va en manquer peut-être. Donc câble de cuivre, câble d'aluminium et pour finir résistance. Ok, donc le câble d'aluminium, le carbone plutôt peut arriver de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il va manquer les câbles de ce côté-là. En fait, on va juste mettre un au milieu. Comme ça, on va lui dire de chercher un casse de chaque plus loin. Voilà, ça sera mieux.
Il va manquer le cuivre et il va manquer bien entendu les plaques d'étain. Les plaques d'étain d'ailleurs qui viennent. Toujours la difficulté à les reconnaître. C'est cela. Ok, parfait. Donc, ça ici, on va juste descendre un petit peu plus bas. Histoire. Encore. Pouvoir travailler correctement. Voilà. Et. Voilà. Ok. Donc, tout ça, ça arrive ici. Celle-là. Hop, vitesse des ouvriers. T'es parti sur les robots, toi, sur le coup, là. Ouais, si on fait robots, qu'ils avancent pas, ça sert à rien. Mm-hmm. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Alors, plaque d'étain, où est-ce que je le ramène à peu près? Je vais peut-être le ramener en haut, sur le coup. Hop. Dézoomer, ça me fait perdre le point. Ok, ici. Donc, juste au-dessus. Hop. Hop, non, comme ça. Voilà. Donc ça, ça va arriver ici. Celui-là peut passer là, peut passer ici. Et en arrivant ici, la petite technique des bras de travers, ce qui est assez pratique. Non, voilà, comme ça et comme ça, ça, ça marche. Donc d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il y a ça là? Ça, ça marche. On a des câbles, les câbles. Ah ouais, par contre, j'ai pas pensé, les câbles vont devoir, voilà, petite erreur, les câbles vont devoir aller sur leur propre ligne sur le coup, ou je peux faire ça comme ça. Où je peux faire ça comme ça. Voilà, on va faire ça comme ça plutôt. Hop, ça, tu vas mettre ça ici. Alors, technologie recherchée, hop. On va faire la deuxième, elle est pas longue. Hop, ça, ça arrive ici. Bon, ça, on va juste le faire tourner et petit nettoyage. Hop. Voilà. Donc, ça, ça part direct. On va voir la production et ensuite il suffit de le faire sortir. Normalement, honnêtement, ça devrait être largement suffisant pour tout ce qu'on a besoin. Donc sur le coup, on va juste passer ça comme ça. Voilà, 50-50, ça sera mieux. Alors ça, c'est bon. Ensuite, les transistors, par contre, transistor, c'est un peu moins facile à faire. Transistor. Ah, tu le fais arriver d'en haut, d'accord. Est-ce que tu as assez de transistors? Je peux t'envoler? Je sais pas, ou je pense que oui, parce que de toute façon, une fois que quand t'as pas de recherche, en fait, ça tourne pas quasiment. Ok, parfait. Ok, donc je t'envoie. Je sais que ça se bouffe quand même assez vite. Ce que j'ai eu, j'en ai fait que 3 et c'était pas suffisant. J'ai dû en faire 6. Ouais, d'accord, ok, je vais pas t'en prendre. T'as raison. Parce que si on essaie de reprendre soit les. Ouais, je vais prendre les wafers qui sont directement ouais. Au-dessus. De toute façon, ça demande quoi? Plastique, wafers qui sont déjà sur la même ligne et câble de cuivre que j'ai déjà. Donc c'est parfait. Ok. Ok, donc je vais te récupérer cette ligne là alors. Ouais, elle passe. Hop. Voilà. Ouais, je pensais pas que ça en demandait autant, mais j'ai regardé, j'en ai besoin quand même d'une bonne quantité. J'en ai besoin de 3 ou 5 secondes et 4 ou 5 secondes. Donc ça fait je sais pas combien de machines, mais ça va en faire pas mal aussi. Sur le coup, j'ai aussi besoin pour faire les transistors. J'ai besoin aussi de quelques câbles. Pas énormément, mais quand même quelques-uns. Donc, si j'en mets un là, je lui dis de prendre ça, ce qu'il y a là, et ça, ce qu'il y a là. Ça marche. Le bras qui est super bizarrement placé, il prend deux cases au-dessus à gauche et il pose une case en bas à droite.
C'est la magie des bras dans Factorio. Hop, ça je vais le faire descendre ici. Je vais juste mettre un bras normal. Où est-ce qu'on se fait attaquer? Ah, juste 3 tourelles. C'est correct. Tiens, on va le faire passer ici. Ah ah. Ça passerait ici, mais sinon ça passe pas. Bon, on va pas le faire passer de ce côté-là. Ça aurait juste été un petit peu plus propre, mais tant pis. Hop, et je vais me faire 6 usines. Pareil, bien entendu, de ce côté-là, j'oublie une autre usine qui est assez importante. Voilà, ça, ça marchera mieux. Hop, armure de puissance, ça c'est bien. D'ailleurs, je regardais, ouais, c'est ça, on peut monter jusqu'à armure MK5 qui a à 16 par 16. Je suis un peu déçu. Seulement. Bon. Là, sur le coup, il va falloir que je revoie mes plans. Je pourrais pas en mettre 40, peut-être juste 25. Donc les transistors. Transistors, ça je peux le faire dans les petites usines aussi. Non, tu peux tout faire avec les petites usines. Ouais. Ouais, c'est ça qui est bien quand même. Parce que ça te fait déjà gagner beaucoup de place. En plus, c'est tellement rapide. Ah, il manque des circuits basiques par contre. Il manque des circuits basiques qu'on a ici. Voilà. Hop, parfait. Avec ça, normalement, je devrais pouvoir accélérer quand même pas mal la production des petites usines. Parce que là, sur le coup, ça prenait 5 minutes à les faire. Ok, donc ça, c'est bon. Donc, je vais les placer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il m'en manque, bien entendu. Hop. On va placer ça ici et ça ici. Ça prend du temps à arriver. Alors, transistor. Voilà. Alors, on fait arriver un matériau par haut. Ça c'est bon. Et les câbles. Par en bas. Hop. Ensuite. Ouais, par contre, c'est pas là que je voulais mettre la sortie. Une case plus bas. Hop. Voilà. Ok, donc ramasser tout ça. Voilà, tout ça c'est produit. Voilà, donc ça, ça va commencer la production. J'ai tout ce qu'il me faut maintenant, donc on peut partir sur la prochaine étape de conception qui est déjà, je me souviens même plus ce que je voulais faire. Cerveau, voilà, cerveau. J'ai pas besoin d'une tonne, une chance, parce que ça demande quand même des circuits avancés. Ça, on va le faire arriver, tiens, ici. Hop, voilà. Hop. Hop, et... ça, ça passe. Est-ce que ça... ouais, parfait, ça passe. Hop. Oupalaï. Là, on s'est bien attaqué. Alors toi, Bartus, tu y es déjà, je suppose. Non, je peux pas, je viens de partir.
Attends, moi je suis encore en train de chercher mon véhicule. Il est où? Ok, je vais stationner sur des usines. 48. Avec deux en plus. Ouais, bah il doit pas rester grand chose de ce côté-là. Ouais, mais il y avait rien de spécial en fait. Ok. Ok, juste une turbine de ce côté-là. Ouais, mais ça sert à me refaire. Ouais, non, non. Bon, je vais ramasser Floreuse sur le coup. Voilà. Où est parti mon véhicule là sur le coup par contre? T'es descendu, il a continué. Ouais, bah c'est ça. Et là, hop, par contre là il y a des aliens. Non, ouais. C'était une alerte. Non, il y a un alien dans la forêt. Voilà, on a quand même enlevé la moitié de ma vie et était tout seul. Comme quoi j'ai besoin d'une meilleure armure. Ah, d'ailleurs, arrête.